Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je suis encore dans vos maisons aujourd'hui pour vous parler de ces deux femmes d'exception en République démocratique du Congo, en marge du 8 mars qui est consacré à la Journée internationale de la femme. Alors, je vais vous présenter Sophie Kanza et Geda Yav Amani. Alors, si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne Pierre Bonheur TV et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Qui est Sophie Kanza? Sophie Kanza est née le 8 février 1940 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. À l'époque, c'était le Congo belge. Sophie Kanza est la première femme diplômée en République démocratique du Congo. Elle a fait ses études secondaires au Congo-Brazzaville et au lycée Sacré-Cœur. En 1961, elle était la seule femme à avoir un diplôme secondaire. Et en 1964, elle a obtenu son diplôme de l'Université de Genève en sociologie. Donc, c'était la première femme à avoir un diplôme universitaire en République démocratique du Congo. À l'époque, c'était le Congo belge, le Zaïre. Donc, voilà. Et en fait, c'est le même pays. Hein, ne vous en faites pas, c'est toujours le même pays. Notre cher beau pays. Alors, Sophie Kanza c'est aussi la première femme à avoir occupé un poste gouvernemental en République démocratique du Congo, parce qu'elle a été nommée ministre des Affaires sociales et ministre d'État des Affaires sociales par après. Donc, voilà, c'est une femme qui a donné toute sa vie, qui a consacré toute sa vie à défendre les droits des filles et des femmes à aller à étudier, à apprendre à étudier. C'est une dame qui a donné le courage et la force à beaucoup de femmes à poursuivre leurs rêves en devenant des femmes fortes aujourd'hui à travers le monde en République démocratique du Congo. Alors, raison pour laquelle on voulait vraiment parler de cette dame aujourd'hui et nous ne voulons pas que son nom soit tombé dans les oubliettes. Et Sophie Kanza est décédée en 1999, soit en 1999, comme les Belges le disent, à l'âge de 59 suite à une crise cardiaque. Voilà, c'était les mini-portraits de Sophie Kanza que nous voulons vous présenter aujourd'hui. Mais si vous voulez apprendre encore plus de cette dame et aller sur Google, vous n'avez qu'à taper Sophie Kanza. Vous allez voir toute sa biographie, sa cursus scolaire et universitaire. Vous allez voir sa vie privée, vous allez voir sa vie politique, ses engagements. Et voilà, donc merci beaucoup pour cette dame qui a donné le courage et la force aux filles et aux femmes de poursuivre leurs études et de devenir des femmes fortes de la République démocratique du Congo ou d'Afrique. En deuxième lieu, nous allons vous parler de Geda Yav Amani. Geda Yav Amani, c'est la première femme pilote de la compagnie Congo Airways. Congo Airways, c'est une compagnie d'aviation en République démocratique du Congo. Mais c'est la seule et la première femme pilote d'une ligne aérienne. Elle a piloté avec succès des Boeing, des avions. Vraiment, coup de chapeau à cette dame qui est aussi la première femme à avoir sa propre compagnie d'aviation en République démocratique du Congo. Bravo, Madame Yav. Madame Yav, Geda Yav Amani, a aussi sa fondation, la fondation Amani, qui est là pour parler de l'émancipation de la femme, qui est là pour encourager les filles et les femmes à aller plus loin dans leurs études, à croire en eux, afin de réaliser leurs rêves. Et elle est là pour les accompagner. Elle anime des ateliers, elle anime des formations, des ateliers, des conférences pour la place de la femme dans la société congolaise, mais aussi sur l'égalité de sexe, l'égalité des femmes en Afrique. Et merci beaucoup. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur son compte Twitter qui est là en bas, je vous mets en bas. Et vous pouvez aussi aller sur Google, taper juste Geda Yav Amani, vous allez voir cette dame et vous aurez vraiment à la découvrir. Merci beaucoup et si c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Pierre Bonheur TV et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pierre Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Leke, 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 leke! Ooh.
Tata Touba Mamou. Loua Kouloua 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 Kele Kele Kele. Pef Bonner TV, la nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Laurette Tang, la femme du président. Nakini Torokoto, Torokota te. Torokota. Na Paris Torokoto, Torokota te. Torokota. Pef Bonner ye na makambo asika. Ah, Nana Kotiko. Soutou na Canada, Botika la Simate. Kuna Netazini, Borokoto, Borokota te. Torokota. Pef Bonner, Beta Maboko. Malavi Beta Lissousou. TV Doussola. Aïe! Nana Koti, to s'abonner, na Pef Bonner, sur YouTube. Alson Flor, Kimberley Fayulu, est-ce que Kota na Pef Bonner TV? Yébi Sangana na Tuniyo. Nana Koti, to s'abonner! Pascal Fayulu, tombola maboko likolo papa Bonner. Pef Bonner TV! Pour la promotion de vos produits, contactez Pef Bonner TV. Élevez les mains s'il vous plaît, maintenant dansez. Abonnez-vous, tous abonnés. Wapio, 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 wapio. Fasas Kasaunda la mama Mokonzi. Ah! Allez, quitte, mata. Pef Bonner, Kende, Pef Bonner, mata. Sur YouTube, Narota la Simate, Beta Maboko, Beta Lissousou, Sauté, Pona Pef Bonner. Naviguer, côté internet, banane hôtel, banane seca, banane sol, banane seca. En direct, moninga koti katina yo, yo pe kota katina ye. Et ça te ba koti pana yo, et comme il a tout un Pef Bonner, on commence à la ba réserve. Ah, mame, moutima, moutima.